Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Vacances. VS école. Mais t'es obligé de parler de l'école à chaque fois. Je suis désolé les chéris, mais c'est passé tellement vite les vacances. Les vacances c'était bien. Notre routine en vacances, VS l'école. T'inquiète, là on fait vacances, viens on fait vacances là. Et on verra après l'école. Let's go. On commence la journée direct avec mon sac en vacances. J'ai toujours mon sac, il y a de quoi s'amuser. Il y a une serviette, il y a le portefeuille avec l'argent. On met ça. La casquette, parce qu'on est toujours décoiffé en vacances. Et j'ai la flemme de me coiffer pour finir. Les petites lunettes, mais j'ai l'air, j'ai ramené les mauvaises, elles sont trop... Regardez comment je suis moche avec. On dirait la mafia. On dirait pas un mec de la BAC. On dirait la mafia. Regardez, moi, là, on croise quoi? Des boissons, ça fait plaisir, c'est les vacances. L'alcool, c'est pas bon. Non, c'est pas de l'alcool, c'est... Et moi, le matin, quand je vais à l'école, je vois grave des têtes dépitées, des têtes comme ça. Et je vois d'autres têtes grave contents, les antérieurs, là, qui sont grave contents de travailler. Et en plus, je faisais partie des gens qui étaient grave contents. T'étais content d'aller à l'école. Ouais. Moi, je suis comme ça. Moi, ça dépendait des jours. Moi, j'étais content en vrai. C'est pas parce que je suis en intello. J'étais content parce que j'étais pressé de mettre mon nouveau survêt et mes nouvelles baskets. Ah ouais, j'avoue. Moi, c'est juste pour ça. Sinon, le travail. Je sais pas si je prends une bouée, les rails. Les bouées, c'est la base en vacances. Attends, mais Myriam, elle est où? Je veux une barbe à papa. Je veux une barbe à papa ou des popcorn. Une barbe à papa? Vas-y, viens, on va à la piscine. Viens. On arrive à la piscine, ça y est. Les vacances, les rails sont en piscine. C'est pas des vacances. En plus, celle-là, elle est gigantesque. Je vous propose d'aller dans l'eau. Je vais vous proposer des défis. Okay. On va voir qui est le plus fort. Vas-y, commence Myriam à aller dans l'eau. Ok, vous avez vu, Myriam, elle a plus peur de l'eau. Alors, le premier défi, j'aimerais que tu nous montres comment tu nages maintenant. Ok, Myriam, viens en nageant. Vous allez juger comment elle nage. Regardez comment elle nage. Comme un petit chien. On dirait elle lutte constamment contre l'eau. Ok, ça, c'est la deuxième type de nage. Ok, pas mal. Ça, c'est super. Eh bien, est-ce que tu connais une dernière nage ou pas? Sur le dos, sur le dos. Ouais. Vas-y. Oh my god. C'est n'importe quoi. On dirait fait la danse du soleil. Yacine, je vais te proposer un défi. Ouais. Tu vas devoir sauter et atterrir dans la roue. Toi, t'es un malade, toi. Rigole, toi. Hein. Rigole. Hein. Myriam, fais-lui montrer que c'est possible. Vas-y, fais-lui montrer que c'est possible. Vas-y. Allez, Myriam. Oh là là, incroyable. Là, c'est l'heure de manger. C'est les vacances, c'est la base. Ouais, c'est quoi ça? Un burger frit. Tu peux me montrer c'est où qu'on les prend? C'est là-bas. Oh là là, la cantine des vacances, elle est incroyable. Ah, c'est eux qui font ça. Regardez. Elle est où la vente de kebab? Ah, regardez, il y a un kebab. C'est des pizzas turques. C'est ça, regarde. Il fait des pizzas et dedans, il met de la viande. On s'est posé au calme. Là, genre, tous ceux qui sont en vacances, ils se posent là. Mais tu penses que tu vas finir tout ça? Bah ouais. Incroyable. Oh, le micro. En plus, c'est toi qui l'as composé, genre. C'est vrai, il y a quoi à l'intérieur? Pour mon dernier repas des vacances, j'ai pris de la viande kebab. La véritable viande kebab, on en a trouvé. Elle a craqué. Incroyable, on va voir comment c'est. Elle a craqué. Je vais pas craquer, moi je pense que je vais mettre du ketchup dedans. Je vais goûter nature avec du ketchup. Regardez, il a ramené son propre ketchup. Elle a un goût fumé. Ouais. Wow. Avant l'école, on va le poter. Vas-y, on va voir si tu vas le poter. 1-0, c'est léger, c'est léger, c'est léger. Non mais t'es une grosse, subhanallah. Dans partout, là c'est du gagne, gagne. Vas-y dans la main, dans la main. Regardez ce service. Hein. Oui, la victoire. Bon bah c'était cool la mer et les vacances, hein, de l'école. Attends, 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 attends. Demain l'école. Younes. Cap ou pas cap de rentrer dans la mer une dernière fois tout habillé? Ah, je sais pas trop. Ah, t'es pas un vrai DZ si tu le fais pas. Moi, je suis pas un vrai Algérien. Allez, go. Oh, malade. Oh, le malade. Il l'a fait. Bien joué, c'est un vrai DZ. Je suis un vrai Algérien et demain l'école. Une vraie big hell love celle-là, c'est incroyable. Bientôt l'école, encore quelques minutes. On va voir s'il est fort. Ok, zéro boulot rentré à Myriam. Éliminé. C'est quoi cette technique là? T'inquiète. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah bien. Oh non. Ah bien. Oh là, il est beaucoup trop tôt pour se lever. Pendant les vacances, je me levais à 10h. Là, il est 8h. Salut les petits poissons. Aujourd'hui, je vais à l'école. Je ne peux pas m'occuper de vous, donc vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Ciao. Bon, maintenant reste à savoir qui va m'accompagner à l'école. Yacine, est-ce que tu peux m'accompagner à l'école? Il est 8h.
Yacine, Yacine, tu peux m'accompagner à l'école, il est 8h. Mais quelle heure? 8h. Vas-y, casse-toi là, avec ce que tu me parles, il est 8h, laisse-moi dormir. Qu'est-ce qu'il fait avec un bandana sur la tête? Younes, Younes. Quoi? Accompagne-moi à l'école. Demande à Yacine. Il m'a dit non. Vas-y, redemande-lui, il va dire oui. C'est chiant, l'école, il n'y a personne qui veut m'accompagner. Et moi, j'ai été en Turquie, c'était incroyable, avec la piscine et tout. Moi aussi, j'étais à Alanya, je crois que ça s'appelait. Il y avait une mer avec des cailloux et tout, mais j'avais grave chaud des requins, c'était une dinguerie. Ah ouais. Bonjour, c'est fini les vacances, on arrête de parler, s'il vous plaît. En rang. Putain, vas-y, j'étais bien en vacances. Moi aussi. Oh là là. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Monsieur Compote. Le premier qui rigole, il se prend une heure de colle directement, je blague pas. C'est pas drôle. Donc on va commencer directement. Je sais que les jeunes, la nouvelle génération, c'est beaucoup Snapchat, short, etc., etc. Vous amusez à faire ça en cours. Du coup, j'ai ramené une boîte, vous allez me poser tous vos téléphones dedans. Pas une seule exception. Ouais, mais moi, ma mère, elle m'a dit de garder mon téléphone, sinon il y a des voleurs et tout dans la classe, et il faut que je l'appelle le soir. On t'a dit de poser ton téléphone, on t'a pas dit de raconter ta vie. C'est quoi ce truc de fou? On est à l'école, on est à l'armée. Je crois qu'on est en prison. Pour ce qui est des emplois du temps, je vous le dis direct, samedi, il y a école. Samedi, il y a école, je me suis assuré personnellement qu'il y a école. Moi, je suis pour l'école du lundi au samedi. Comme ça, au moins, vous vous instruisez plus. Wow! Mais touchez pas à mon samedi! D'ailleurs, le président de la République, il a annoncé qu'il y aurait un mois de moins de vacances. C'est une très très bonne mesure, je suis d'accord avec lui. Allez, on est parti, sortez vos cahiers. On commence directement avec une interrogation surprise. Un mois de vacances au moins? Mais vous, c'est quoi ce truc? Ah! Première question pour l'interrogation surprise. En quelle année a eu lieu la Seconde Guerre mondiale? Vous répondez directement. Ah oui. Arrête, hein. Il dira Monsieur Compote. T'as qu'à réviser chez toi. Qu'est-ce qui se passe là? Qui copie sur qui là? Mais c'est lui en fait. Il a dit qu'il n'avait pas révisé. Il a dit est-ce que je peux regarder sur ta feuille? Et après moi je lui ai dit non. C'est pas vrai, monsieur. Ok, donnez-moi vos réponses s'il vous plaît. Tu commences, vas-y. La Deuxième Guerre mondiale a eu lieu de 1939 à 1945. Et toi? La Deuxième Guerre mondiale a eu lieu en 2023, ouais. Tu veux faire l'intéressante devant tout le monde, c'est ça? C'est toi la petite rigolote de la classe? Hein? Non. Tu vas au coin, tu mets tes mains derrière le dos. Allez, dépêche-toi. Et pas sur Snapchat ici, hein, je vous le dis. Hein. L'IA, Snapchat, tout ça, c'est pas ici. J'espère en tout cas que vous avez toutes passé une très très bonne rentrée. On a fait un petit truc pour rigoler. Mais j'ai un message à faire passer qui est très 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 important. C'est quoi? Demain, l'école. Et d'ailleurs, travaillez bien. Nous, les abonnés de la Côte Familiale, normalement, ils ont tous au moins 12 de moyenne. Ouais, au moins, travaillez bien, écoutez vos parents, écoutez vos professeurs. Cette année-là, nous, on essaie de se fixer un objectif, on essaye tous d'avoir la moyenne et d'avoir 0 heure de colle. Minimum la moyenne, ceux qui peuvent avoir 16. Minimum, ceux qui peuvent avoir 16, ils ont 16, mais minimum la moyenne. Toi, tu regardes par terre, toi, tu vas pas avoir la moyenne. Si. Et 0 heure de colle, c'est important, on essaye de faire ça. Et dites-nous dans les commentaires si vous réussissez.